Alors bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez Room Saveur. Ce qu'on va faire, moi, on va essayer de travailler un Paris-Brest. Le jeu, c'est de faire fondre le beurre avec le lait et le sucre. On incorpore la farine tamisée dedans et on dessèche cette préparation. On va déjà commencer par faire fondre le beurre dans le lait. Et là, je vais venir incorporer ma farine en une seule fois. Je tamise bien le tout. C'est une étape qui est assez importante, c'est-à-dire qu'on va dessécher la pâte. Cette préparation ici, on appelle ça la panade. Donc là, vous voyez, j'ai ma pâte ici qui est bien homogène et surtout qui ne colle plus au bord. Ce qui est important, comme on va incorporer des œufs, je la débarrasse dans un récipient qui est froid. Donc là, j'ai ma panade, j'ai mes œufs. Là, c'est vraiment pour que ça s'incorpore plus facilement. Là, l'idée, c'est de les incorporer au fur et à mesure. Maintenant, on va pouvoir utiliser les fameuses poches à douille de chez Room Saveur. Alors, comme la douille est très petite, là, nous, on va pas en avoir besoin pour, en tout cas, ce qu'on appelle coucher les choux. Donc la douille ici, je vais la retirer, tout bêtement. Je retrousse légèrement la poche ici. Je viens la disposer ici. Et après, avec ma préparation, je vais venir la garnir. Je la récupère. Et là, ici, je vais juste venir la pincer sur le haut, là. Juste avec le bout, là. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire déjà un premier cercle. On va faire un deuxième cercle. Et pour faire la petite couronne sur le dessus, on va en mettre une au milieu des deux. Du jaune d'œuf. Et là, on va venir appliquer cette dorure. Donc là, vous le caressez délicatement avec le jaune d'œuf. On l'enfourne. On tapera sous le chou, et si le chou sonne creux, c'est que c'est cuit. Alors, maintenant qu'on a réalisé notre pâte à choux, que les choux sont en train de cuire tranquillement au four, on va pouvoir s'occuper de notre garniture. On va casser les œufs. L'idée, finalement, quand on blanchit des œufs avec le sucre, c'est pour incorporer un maximum d'air dedans. Et c'est ce qu'on appelle un sabayon. Crème pralinée. Donc là ici, je vais y aller avec mes 90 g donc de pralinée. Dans un premier temps ici, je vais verser mon lait parfumé. Hop. Je mélange. Et là, hop. Donc là, j'ai ma pâtissière au praliné qui est prête. J'ai mon petit récipient ici. Alors ça, pourquoi est-ce que je mets du papier film? De pouvoir rajouter un autre film par-dessus, ce qu'on appelle filmer au contact. Ça évite finalement après d'avoir une petite pellicule qui sèche en surface. Allez, ça je vais le mettre au frais et on peut attaquer la dernière phase de la recette. La dernière étape ici, on doit réaliser donc une crème au beurre. On va déjà réaliser dans un premier temps un sirop. Nous, on va faire un sirop à 121 degrés. 121 degrés, à l'œil, ça va être compliqué. On peut le faire, c'est-à-dire que si vous prenez une cuillère et que vous versez votre sirop dans de l'eau froide, vous commencez à avoir des petits fils qui se forment. Il faut quand même l'avoir déjà vu à l'avance. Je vous conseille de prendre un petit thermomètre. Alors généralement, ça va assez vite pour aller jusqu'à 100 degrés, donc jusqu'à l'ébullition. Et après, pour monter de 100 à 121 degrés, c'est déjà un petit peu plus long. Ensuite, j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle du beurre pommade. Et là, je vais juste le fouetter pour vraiment l'apporter à bonne consistance. J'ai besoin d'avoir deux œufs entiers et deux jaunes. Et la bonne vieille technique des deux coquilles, c'est ce qui fonctionne encore le mieux. Ça, on va commencer à le battre. Donc, même principe que tout à l'heure, quand on voulait un petit peu blanchir les œufs avec le sucre, sauf que là, on n'a pas de sucre. Le sucre va être apporté par le sirop derrière. Là, je suis à 118. Et on verse en petit filet. Bien à voir. On a nos petites couronnes de choux, de pâte à choux ici, qui sont cuites. Notre crème pâtissière pralinée avec notre crème au beurre que j'ai directement mis en poche. Mes choux sont déjà cuits, ma crème est déjà faite, j'ai simplement à les monter. Donc là ici, on va venir les inciser. Ce qui est important, c'est de voir, voilà, vous voyez que vous avez une pâte à choux qui soit bien aérée. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est des desserts. Une fois qu'ils sont dressés, il ne faut pas non plus les laisser une nuit au frigo. Vous allez avoir la pâte qui va s'imbiber de toute la crème. Je referme avec le petit pâte à choux. Ce qui est joli, vous voyez, c'est ça, là. C'est de voir la crème qui se tient bien.
chou, vos petits Paris-Brest sont prêts. Et voilà, donc ensemble, nous avons pu réaliser donc, la recette du Paris-Brest. Trois techniques quand même, la pâte à choux, la pâtissière, une crème au beurre. On a travaillé bien évidemment la poche à douille. J'espère que cette vidéo pourra en tout cas vous aider et vous donner confiance pour réaliser ce dessert. Je vous souhaite une très bonne dégustation.